Planète Rap. Planète Rap. J'ai même une petite liste des sons que tu écoutes régulièrement, ou que tu as écouté, ou ceux que tu n'as pas envie d'écouter. Ok. On va commencer peut-être par le son pour la toute première fois. Le mien ? Bah écoute, celui-ci, ça va te dire. Ah, Mario, Let Me Love You. La première fois avec Ngadji, ouais. Ah voilà, première fois. Ça, c'est les... Gré, je sais que tu connais les bails, Gré. Je sais que tu connais les bails. Gréa, toi aussi, c'est un son qui te parle ? Ouais, ouais. Ça, je le vois bien avec ça. Donc ça, bon, moi, non. Eh bien, on vient de faire un petit dîner sympathique, bim, on rentre dans la voiture. Là, on concrétise, non, mais ça, c'est fini. Ah, ça, c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire que quand il y a Mario, Let Me Love You, ça se cache en route pour aller à l'hôtel. Exactement. Ça, c'est quand même. Graia, j'ai l'impression qu'il a la même playlist. Mario, Let Me Love You, donc ça, c'est le son. Ça, c'est vraiment le son pour la première fois. Le son que tu as écouté d'ailleurs en venant à la radio aussi tout à l'heure, c'était celui-ci, bravo. Toujours. Juste avant l'émission. Et il y a un morceau aussi, alors par contre, que tu écoutes quand tu es heureux. Tu m'as dit, moi, le morceau que j'écoute quand je suis vraiment heureux, c'est celui-ci. Rema. Très fort. C'est quand la dernière fois que t'étais très heureux et que t'as écouté ce morceau? Tous les jours, en vérité, Dieu merci. Tous les jours, toi. Ouais. Il y passe tout le temps, celui-là. Tous les jours, je l'écoute. Il y a le bonheur et parfois, il y a... Parfois, ouais. Mais même dans la peine, on est heureux. Mais comme ça. Parfois, les peines arrivent et il y a un morceau, vraiment, quand tu es triste, c'est celui-ci. Classique. Le J. Tout Marseille le sait, ça passe. C'est le classique des Marseillais et des Parisiens, c'est genre. Et la France entière. Petit flash, France entière, dans la galerie, comme ça. Un petit flash de Ricard et hop. Non, c'est jamais, ça n'existe même pas, ça, frère. C'est reparti. Même pas dans les codes, un flash de Ricard. Allez, on est sur les sons qui marquent, qui nous marquent tous d'ailleurs. Et toi, il y en a un qui te marque aussi justement. Tout à l'heure, on parlait de la première fois, mais il y a aussi, avant la première fois, il y a la première rencontre, au premier dîner peut-être, et tu as celui-ci. Ouais, c'est un chanteur malgache, s'appelle César. Alors ça, on met quand ce morceau, pour toi? Vraiment pour chiller, hein. Comme t'as dit, on va au resto. Là-bas, je t'ai mis l'aller et il y a le retour. Voilà, ça c'est le... Donc ça c'est le son de l'aller. Au début t'es joyeux, tu l'as fait planer un peu. On va le faire dans ce sens-là en fait, ça c'est le son de l'aller. Ouais. Et son retour, il y a Mario. Et alors il y a un son que t'aimes pas toi dans ta discographie, c'est celui-ci. Pourquoi? Dis-toi que je l'ai enregistré, j'étais malade à la base, je voulais pas le sortir. Attends, laisse-moi écouter. T'as une grippe. T'as capté? T'as une grippe. T'as capté? Mais 38, 39. Ouais, non, j'aime pas trop l'écouter en fait. C'est celui-ci, non? Ouais, c'est les débuts. Après, il a marché quand même, mais. Il a bien marché. Ouais, mais j'aime pas trop l'écouter. Par contre, celui que t'adores écouter, c'est celui-ci. Ouais, classique. Ça, c'est le son que tu préfères parmi ta discographie? Ouais, de ce qui est sorti là, ouais. Et je l'affectionne particulièrement, celui-là. Alors là, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'adore ce morceau. C'est un bout de mon enfance aussi, tu as raison. Ça, c'est à cause de mon frère. Là, je le balance. Hein. Je sais pas où il est. Oui, parce que je vais dire, t'es quand même. Lui, il est branché, jeune. Américain, il écoute que ça. Ça veut dire que je l'ai mangé, ça. Mais ça, il te faisait écouter, le grand frère. Ouais. Et ça te rappelle vraiment l'enfance, ce morceau. Ouais, c'est... Ben oui. T'as un gamin, il y a le grand frère qui écoute ça. Tu vois le clip à la télé. We Are The World, évidemment, où les artistes américains s'étaient réunis aux côtés de Michael Jackson. Il y a l'édition aussi pour Haïti aussi qu'ils avaient fait. Exact aussi. Et dans la série Nostalgie, il y a un autre morceau qui te rend nostalgique, c'est celui-ci. T-Pain. Ouais. Remix Libyanka. Incroyable celui-là. Il te fait penser à quoi celui-ci? La tristesse, comme t'as dit en vérité. Tu sais, des fois même quand je gamberge, j'écoute ça, je suis pas forcément triste, mais c'est des morceaux qui passent bien derrière quand tu réfléchis et tout. Des fois quand je roule, je suis dans un bon mood. Vu que j'ai la plage à Marseille. C'est sûr que sur le périph' tu peux pas l'écouter, ça c'est impossible. C'est pas possible. Bon, alors là, le petit tacle qui servait absolument à rien. Bon, bah tiens, puisque c'est ça, on est dans le moment du tacle. Tiens, écoute ça. Franck et Vincent. Tu veux mon zizi? Pourquoi ce morceau? C'est vraiment le meilleur, ce mec. La vie de ma mère, les gars. Ça, c'est, tu m'as dit, c'est les sons, je peux pas les écouter, mais avec ma mère. C'est impossible, ça.
Ça, je peux jamais mettre ces sons. Mais quelle audace! Quelle audace! Quelle audace il a eu! C'est n'importe quoi! Tu veux mon zizi? Voilà. Le morceau de Francky Vincent qui se plaignait d'ailleurs de ne pas être aux Jeux Olympiques. Je l'ai vu à un moment, il se plaignait de ne pas être invité aux Jeux Olympiques pour faire l'ouverture. Francky, on t'aime bien, mais on peut comprendre pourquoi. Voilà. Alors, on va finir avec un dernier son. Ça, c'est le son pour demain matin, au réveil. Il y a celui-ci. C'est pour se réveiller de bonne humeur. Bousse. Très fort, Bousse. Y'a du checks depuis que je suis petit, c'est la misère. Je viens d'Afrique depuis tout petit, je me sens laissé. Parler tout bas. Le temps passé, ils sont tous morts.